exceptionnel, putain. Ok. C'est un bordel sans nom, les gars, là. On a déjà vu. Arrêtez Lincoln Bellrose. Allez sur le toit. Ah là, ils essayent de séquestrer ta rata de crédit qui n'est pas rousse, quoi. Normalement, elle est rousse. Mais là, elle est pas rousse. Laissez-la tranquille, bande de gros dégueulasses de merde. Alors, dans la série, généralement, ils passaient par au-dessus. Donc, ça doit être un peu la même chose. J'ai regardé la série. Je suis pas trop con. Je pense que c'est là. C'est pas là, merde. Ah, peut-être que je peux ouvrir la porte là, alors. C'est ça qu'il faut faire, hein. De vouloir monter dans les murs. Et moi. Et qui le putain de patron? Ouais. C'est vous. Oh la vie. Cavale. Oh, je peux plus sortir, mon baiser. Là, peut-être il y a une trappe alors. Peut-être là. Le problème, c'est que je peux pas m'allonger. Pas appris. Ok. Toi et quelle armée? Je vais te niquer, gros. J'aime battre. Wesh. Aïe. Il est en train de m'enculer là. Je vais le démarrer, cet enculé. Aïe. Donne-moi un coup de canne, donne-moi un coup de tête, et quoi? Voilà. Magnifique. Oh putain, c'était Lincoln Bellrose ça, il est trop mal modélisé wesh. À terre, sur le sol. Oh non, c'est Lincoln Bellrose ça. Ah wesh. Si voilà. Merci mon dieu. Ouais ça va là. Tiens. Pourquoi je me fais marbrer comme ça? Voilà. Je l'encule là, là je suis en train de l'enculer là. Je vais le démarrer cet enculé. Tiens. Oh, Spy Buster. La crime, hein. Oh la dinguerie. Liberté pour les ultras. Liberté pour les ultras. Merde, j'ai un peu du mal avec les touches. Allez poteau, j'aurais perdu à Koh-Lanta, je vous le dis hein. J'aurais perdu 100%. Je suis pas mal là, je vais vite, performant là. Hop. Et déjà CSC, déjà pour commencer. Gros CSC. Ah, ça revoit là. Non. Ouais, Spy Buster. Un spécial, pow. Un enfant a été enlevé. Hein? Putain, je vais devoir me péter pendant combien de temps là? C'est Lincoln. Ah non. Ah non, faut pas les caler, je crois. Attends, focus. Alors, il y a un truc avec les trucs rouges. Quoi, le truc avec les briques rouges? C'est moi qui ai fait ça, hein. C'était pas une animation, c'était vraiment moi. Oh putain, y'a T-Bag! A dit le Seigneur. Oh là là, la voix. Oh putain, la vraie voix! Vas-y, je vais me péter avec T-Bag, incroyable, vas-y, j'arrive. Ouais, ils sont. Et 3v1, ça se fait pas là. Il a pensé à son jean en primaire. Vas-y, casse-toi, nous on aime pas les violeurs, enculés, va. Pédophiles de merde. Tiens, voilà ce qu'on leur fait aux pédophiles. Wesh! Oh! Mais c'est du catch! Mais c'est les animations de WWE, incroyable! Carrément incroyable! Bon, lui, il me fait chier là. Qu'est-ce qu'il me veut, GMK là? Pédophile d'ici. Pédophile très loin. Pédophile d'ici avec tes sales manies. Oui, tes sales manies. C'est qui chante ça? Daniel Balavoine. Imagine la musique de ouf. Oh! C'est presque du MMA en vrai. J'ai débloqué le trophée du Pugila. En mode Pugila. En mode David Pujadas. Utilise d'autres touches que carré, mais y'a que carré en fait. Carré, je crois. Ah non, mais non, la croix elle est là-bas. Aidez-moi à ouvrir ça. Mon gars, lui. Ah ouf, il faisait une célébration. Quand même pas mal, les mecs. Des tireurs, baissez-vous. Oh non. Baisse-toi. Je sais plus comment on se baisse. Je vais jamais avancer, moi là. Magnifique. Là, j'ai progressé. Oh, lui, c'est un gros balèze. Oh putain. Y'a pas que les muscles dans la vie. Y'a le sexe aussi. Voilà. Voilà. Je l'ai démarré, cet enculé. Incroyable, c'est ma meilleure bagarre depuis le collège. C'est ma meilleure bagarre depuis le collège. On dirait que t'as pris un sacré nion. Où est Michael? Je ne l'ai pas revu depuis que ça a pété. Il faut que je le trouve. Paxton, allez, les vraies voix, c'est incroyable. Je speedrun là, les gars, je speedrun. Comment je peux le maintenir à travers la cellule, ce gros balai? Yes! On a les droits. La commande focus permet d'afficher des informations. Les gars, j'ai le droit d'aller faire pipi ou pas? Le truc, c'est la pression. Tu dois pousser fort, mais pas trop fort. Tu dois faire vraiment gaffe. Tu dérapes et tu touches le tuyau de gaz. Tuyau de gaz, genre? Le tuyau qui transporte le gaz. Oh, c'est les émotions. Creuse vers la sortie.
Je dois rattraper Burroughs. Ah, c'est trop les émotions, ce passage. J'en ai marre d'être un objet qui fait... Pow ! C'est pas ma faute, moi. Elle est bien modélisée, Link. Link le déluge. Franchement, le jeu est pas mal du tout. Pour un jeu PS3, franchement, je pensais que ce serait plus gaise. Par contre, ils vont me faire me péter à combien de fois, là ? Il m'a assommé, il a suivi Turk. La chaufferie, en bas des marches, à gauche. Puis je vais devoir me péter. Oula, oula. Ça, à mon avis, faut pas que j'aille dessus, là. Ah, voilà. T'étais sûr. Je dois pouvoir le fermer, non ? Magnifique, je vais me servir de mon joystick. Oh, je vais te péter la gueule, ça va être vite réglé. Allez, putain. Qu'est-ce que tu veux ? T'es debout, toi ? Paf ! Et comment je speedrun le jeu aujourd'hui ? Je suis une machine de guerre. Petit bug là, non ? Incroyable, je vais les niquer, regardez ! Les axes fiscaux, les accriquiers ! Les accriquiers ! Incroyable, je les ai accriquiers. Casse-toi, laisse-moi passer. Johnny, fais gaffe ! T-Bag t'envoie ce petit cadeau. M'en fous, je vais me servir de mes touches. Allez ! Allez ! Stylé, 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 j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien ! Voilà, j'aime bien. Oh, je suis devenu une machine de guerre, la bagarre. Je suis comme d'un con, je vais plus perdre une bagarre. Voilà. Aïe. Oula, 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 oula. Avec un bon, c'était tout pack. Merde. Putain, il m'a niqué, le bâtard. Comment je speedrun le jeu, c'est une dinguerie. Je pense que personne n'a jamais été aussi rapide. Là. Faut que je fasse quoi, là, encore? Encore grimper, là? Tu te cambres. Ah non, il est là. C'est quoi ce merdier? Attends, mais Paxton, c'est moi? Ravus a aimé la saison 5. Après, frérot, moi-même, j'aime la saison 5. Même si c'est la plus nulle des 5. C'est parce qu'en fait, une fois que t'es attaché au personnage de la série, t'aimes tout. Mais force est de constater qu'elle a été faite pour... voilà, quoi. Ils ont prolongé trop en longueur cette série, mais ça a été tellement un carton qu'ils ont... Ils se sont dit on peut la prolonger, mais bon. Après, tu perds de la qualité, quoi, en forçant, en étirant le format, en étirant. Évidemment que tu perds de la qualité. Dans quelle saison il y a Daesh? Bah c'est la dernière, c'est la 5. Bon, allez, viens là. Je vais pas déjà péter la gueule à lui, là. Sona est bonne, c'est après Sona que ça commence à être relou. Même s'il y a des trucs qui sont gardés, à garder, hein, je trouve. Là, je l'achève, là. Regardez, il réagit même plus, il est mort, là. Oh... Quand même pas mal, les mecs. Wesh, wesh. Oh, lui, c'est Spéta, lui. Putain. Oh là, il commence à me faire chier, lui. Putain. Allez, allez, allez. C'est bon, il est mort. Oh putain, oh putain. Putain. L'apocalypse. Oh non, je vais crever là. Oh non. Tiens, connard. C'est bien fait pour toi. Bon voyage, Paxton. Au revoir, Nathan. Oh là, il y a de l'animation, les gars. Il y a de la 3D là, j'aime bien. Non. Aïe. Aïe. Oh, oh la singerie. Tous les détenus sont présents, 5 morts mais pas de fuyards. Oh bien fait en vrai. Bien fait, bien fait. Bien fait, Paxton il allait niquer l'évasion. En vrai je suis dans la peau d'un personnage qui me fait chier, j'ai pas envie de niquer l'évasion. Et les balèzes, hein. On sait qu'il s'évaderait pendant l'émeute. Merci Nessim, merci Cléo pour les subs. Je puisse creuser le mur. Je vais le mettre à profit pour découvrir qui a envoyé Turk me tuer. Paxton, va de l'isolement. Abruzzi veut que tu te ramènes au TP. Surveillant ! Ouais, je sais pas pourquoi ils nous ont pas fait incarner Schofield. Et peut-être que ça a du sens, mais on le sait pas encore. Et voilà, John. Je veux pas dire qu'on ait les mêmes goûts. Calmos, patron. Hé, hey, Paizano. Hé, hey, John. Ce couteau que je t'ai filé, ça a été ? Nickel, mais je l'ai perdu. Comment ? Je l'ai oublié dans le bide d'un mariole. C'est pour ça que t'es là. Ils ont fouillé la cellule. Et j'ai non, on avance bien dans le jeu, là. Un cure-dent. Alors, ce serait plus pratique si j'avais une espèce de levier. Tu vois ? Je peux monter le jeu, hein, les gars. Là, il sort plus. Il est mort. Réduit en bouillie dans la chaufferie. Ouais, je connais l'histoire.
Je dois savoir s'il obéissait à quelqu'un. Ok, je vais me renseigner. En attendant, prends cette vis qui vient des gradins. Essaie de voir si tu peux en faire quelque chose d'un peu plus utile. Ça se trouve, pendant le jeu, après, on va incarner Scofield, on sait pas. On peut, ça peut tourner. Hein. Gros moche et taré. Hein? Tu te crois meilleur que moi? Bon, tu seras chef d'escadrille. C'est à moi que tu parles. Pas moi, patron. Et pute, montre que la nuit t'a porté conseil. Montre que la nuit t'a porté conseil et que ça va aller. Hier, c'était catastrophique. Progresse de Gueudin. J'entends que dalle de chez que dalle. C'est bon, je vais venir tout de suite. Voilà, c'est un peu mécra, là. Seul métal qu'ils ont. C'est ce qu'il leur reste des paniers à riz. Et fait en bon acier américain, de chez nous, et qu'elle ne s'usera jamais. C'est raciste ça, non? Il peut tourner la tête là, Whis, là? Tourne, y'a un Big Mac pas loin là. Je peux bien grimper, mais il va me voir. Ah, je deviens trop fort au jeu, c'est une wesh. Ça m'écrase, hein? J'ai bien compris, mais... Y'a cambre! Envahisseur! Moi, je vais devoir remonter, hein. Je bouge ton cul, là. Ah, il va tourner, là. Ah non, mais c'est chaud, là. Ah, y'a peut-être moyen de faire une roulade, j'avoue, j'avais pas pensé à la roulade. Triangle. Yann-Max, arrête de sourire. Tap, tap, la 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 la, tap, tap. Moi, je deviens un speedrunner, c'est une dinguerie. Non, arrête, bah, faut que je me suspende. Comment je vais faire pour passer devant la huisse? Je veux dire, il va bouger. Et ça, c'est magnifique, ma couille des îles. Ça va pas bouger? Ah, bien. Hop, hop, et hop. Putain, je suis pas si con que j'en ai l'air, hein. C'est bougrement intelligent. Les gars, je peux vous jurer que s'il m'avait pas mis le focus sur la radio, je n'aurais jamais trouvé. C'est sûr, à 100%, je serais resté dans le truc pendant 40 minutes. Heureusement qu'il y a des aides. Pour les enfants de 10 ans, en fait. C'est Bellic. Bradley, je viens à toi. Qu'est-ce qu'il y a sur le mur? Du sang? Putain, y'a trop de bruit. Poulet de bras de Bellic. Qu'est-ce qu'il y a sur le mur? Du sang? C'est de la peinture rouge, monsieur, c'est tout. Nettoyez tout ça, capitaine. Et je ne parle pas que de la doigts de fée. Il y a des doigts de fée, allez. Non, c'est pas le bon joystick ou quoi? Pas la bonne manette, là. Allez, éteins la lumière. Arrache-moi ces câbles. Une boîte? Pas une boîte. Cambre-toi. Oh putain, ils m'ont pris en sandwich. Oh non, je dois refaire la lumière. Abuse. Oh putain, ça peut être très long, ça. Me connaissant, ça peut être très très long. Oh putain. Oh, je sens que ça va être pénible. Qu'est-ce qu'il y a sur le mur? Du sang? Ça y est. Qu'est-ce qu'il y a sur le mur? T'as ta mère, ta grosse mère, ta grosse daronne. Pourquoi j'y arrive pas avec mes doigts, en fait? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a sur le mur? Du foutre? Oh non. Non. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a sur le mur? Ta mère. Les deux boules de mec. Non. Bon, attendez, je sais, j'ai une idée. Non, arrête! Arrête! Qu'est-ce qu'il y a sur le mur? Ta mère, il y a ta grosse daronne sur le mur! Oh, il y a même plus le dialogue! On a réussi à sauter le dialogue, oh la dinguerie! Mon game over sans le dialogue! Exceptionnel, même le jeu, il en a eu marre! Oh la dinguerie! Le jeu, il a dit nique sa mère! Ah, je supporterai pas de me faire cramer, là, je vous le dis. Mais pourquoi? Pourquoi? Dès que j'ouvre ma putain de gueule de con! Ouais, c'est un micro dans le jeu ou quoi? Oh là là! Mon petit frère passe le niveau plus vite que ça, mais ton petit frère, je l'en... Oh putain, j'ai cru que je m'étais fait choper. Oh. Mais en fait, faut que je t'aille direct à gauche. Jeune, Renoir, sauvage. Y'a pas à moi! Y'a pas à moi! Faut juste être logique en vrai, c'est de la logique. Non, arrête. Et le Renoir là qui me casse les couilles, hein.
C'est lui qui veut pas lâcher. Hein. Peut-être que là, en fait, dès qu'il tourne, dès qu'il se retourne à gauche, faut y aller. Il faut aussi que le Babtou il se casse. Ah, là, le Babtou il est là, ok. Là, je le vais ski. Oh putain, là j'ai une méta trop intelligente. Oh putain, j'ai une méta trop intelligente. Je suis pas si con que j'en ai l'air. Voilà, là. Est-ce que le Babtou va revenir en fait? Ah ouais, mais si le Babtou revient en fait, c'est baisé. Là, il reste bloqué comme un, genre je peux aller à droite là. Oh non, il a tourné le fils de pute. Pourquoi vous dites non? Pourquoi vous dites non? Pourquoi vous dites non? Pourquoi vous dites non? Arrête de voir la vidéo. Ah, magnifique. Pourrais-je parler à monsieur Abruzzi juste une fois? Allez, qu'est-ce qu'il fait? Je suis une machine de guerre. Je suis une machine de guerre, la poutre. C'est l'air, non? J'ai hâte de voir la suite du scénario, là. Bureau du directeur, fais un pas hors de la pièce avant que je revienne et je fignolerai ton corps. Manix avait l'air bizarre au téléphone, mais ses ordres sont très clairs. Je dois entrer chez le directeur et faire... Oh non, pas ça. On peut le faire ou quoi? Ah oui, faut faire croix. Allez! Oula, le bruit de pas est un peu trop près là. Oh non, pas encore. Là, je la fais en une prise. Putain, mais j'y crois pas. Il devrait mettre cette turne dans le formol. Là, je me rappelle plus comment on se cambre. Ah, voilà, la cambre. Où est-ce que je peux pas passer par là? Magnifique, ma biche. Non, non, non! Fils de pute, ma gueule là par contre. Une dinguerie de se faire choper sur ça. Cavale, cavale, cavale. Pourquoi je suis mort tout à l'heure? Je suis mort ici tout à l'heure, wesh. Pourquoi j'ai pu mourir ici? C'est quoi le score? On perd de 15. C'est pas vrai, je vais perdre ma chemise. Non, pas ça, j'aime pas. Le directeur sera à vous dans un instant, capitaine. Je vais perdre ma chemise. Donc ce dialogue va être connu très, très rapidement par l'ensemble du chat là. Le directeur sera à vous dans un c'est instant. C'est pas vrai, je vais perdre ma chemise. Non, mais ça veut dire faut le faire grave vite là. On perd de 15. C'est pas vrai, je vais perdre ma chemise. Ok, en fait, y a une limite de temps. Il y a une limite de temps, donc en fait, je crois que je peux pas tout faire en un coup. Je peux pas tout faire en un coup, faut que j'en fasse deux et que j'aille dans le truc, c'est sûr. Je peux pas tout faire en un coup, impossible. Vas-y, crochète bien toi aussi, l'enculé. Bon. Le directeur sera fais un effort. Bon, j'entends deux. Je me casse. Le directeur sera à vous dans un instant, capitaine. Yes! Ouais, il bouge plus, wesh. En fait, ça fait trop de bruit, ce mes trucs de merde. Oh! Oh oui, ça a marché! Oh putain, yes! Oh non, je pouvais pas le refaire 4 là. Dinguerie, je fais trop fort avec mes doigts. Il la pose pas. Wouh! Cavale. Yes! J'ai du bon tabac dans ma tabatière. Rouge et bleu, ça se comprend. Mais qu'est-ce que ce fil vert vient foutre là? Quoi? Les bâtards! Il y en a plus, il y en a encore. Comment je vais me débarrasser de ce fil? Son animation n'avance pas en fait. Rouge et bleu, ça là-bas! Mais qu'est-ce que ce fil vert vient foutre là? Ça veut dire qu'il va tourner la teuté un moment. C'est sûr. La porte elle est là, il est obligé de tourner la teuté. Tourne la teuté là. Il était vraiment impossible de passer tout droit sans se faire mécra là. Mais qu'est-ce que ce fil vert vient foutre là? Il y avait un triangle là, t'avais raison je crois. Oh le banger. Le chat t'as toujours raison, j'ai la haine de devoir l'admettre. Et Davis toi ta mère là. Frère, je m'encule les doigts là. Oh le Taj Mahal. Oh, envie de niquer le Taj Mahal. Enfin, pas dans la vraie vie, mais dans le jeu. Quand même un monument important, on respecte. Et juste pour ce connard de pop. Patate dans le Taj Mahal en légende, ça marche pas. Ouais, y'a la secrétaire et tout, comme dans la série. Copperfield est un bon garçon. Je le pense aussi. Vous oh, ils l'ont trop mal fait. Ma femme va vraiment être aux anges. Café est prêt. Iche. Une demande de travaux.
comme ça. Pas étonnant que tout se désintègre. Quel bazar. Je vais juste mettre ça dans l'armoire. Oh non ! Becky, le rapport du capitaine est compliqué que prévu. Oh, vous petit suspense. Pour moi ? Bien sûr, monsieur. En mode suspense. Ce soir, je vais peut-être me mettre à boire. Mais faut que je passe par où si. Parce que là, j'ai pas d'issue là. Ah, si, là. La seule issue, c'est le placard. Magnifique. Un générique, un générique ! Non, encore. Encore mérité. Normalement, je devrais progresser. Je devrais progresser à force de faire ça, mais j'ai pas l'impression que ça marche. Ça, c'est relativement inquiétant. Ah ! Jolie tenue. Sur mesure ? Bon, ramène ton cul au TP. Vous pensez que Prison Break sera le premier jeu que je vais finir ? L'inquiétant, c'est que si je le finis pas avant lundi, il y a moyen que je le finisse jamais. Donc la règle des jeux finis sera toujours pas. Donne du boulot à ce branleur. Sera toujours pas achevé. La journée. J'aimerais bien le finir rapidement. Je sais pas ce que tu trafiques. Merci Toto pour le resub. Moi, je laisserai tomber. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ce mec, Turk, un fantôme. C'est une dinguerie, 4 ans sur Twitch, j'ai jamais fini un jeu. Comme s'il avait jamais existé. Trois de mes associés se sont fait matraquer comme des bébés phoques, juste pour avoir posé des questions. Alors je pousserai pas ce petit jeu beaucoup plus loin. On a un marché. Je t'ai porté le surin. T'es un homme de parole ou pas ? Madre di Dio. Ok. Écoute, si tu me récupères le relevé des appels des dernières semaines, je pourrais consulter des numéros. Savoir qui l'appelait. Comment tu sais qui a téléphoné ? C'est mes affaires. Je sais absolument tout ce qui se passe dans cette cour. Ok. Où je peux trouver ces relevés ? Ils sont dans un ordinateur qui se trouve dans l'entrepôt. Faut passer par la station de pompage. Et là, il est chez moi, là, à Je veux que t'imprimes les relevés et que tu me les ramènes. Mon vieux Bruce Willis. Encore un casse. Mais je dois le tenter si je veux savoir qui a engagé Turk pour nous tuer Burroughs et moi. Allez, balaye, sale esclave ! Balaye ! Balaye-moi ça ! Ah putain, cet audio, il est trop marrant. Il est beau, toi ? Eh, boss, envie de nous voir casser la gueule de ce mec ? Cela amènerait un peu de soleil dans cette journée plutôt maussade. Le Mossad ? Barbré, là. Je vais le démarrer, cet enculé. Tiens. Le jeu est médiocre pour la PS3. Tu trouves ? Ça va, t'abuses, non ? Enfin, je me rends pas compte, mais médiocre, c'est un peu dur. Enfin, j'ai pas le droit d'être là, genre ? Putain, ils me font chier. Oui, good job. Comment ça se fait que je me débrouille aussi bien ? Bah, y aura une couille dans le pâté, là. Ouais. Ouais, mais on prend un sandwich. Parfois c'est simple hein. J'avais commencé à comprendre qu'on pouvait crocheter des serrures quand même. Réussir à les crocheter non, mais j'ai quand même compris. Allez rentre dans le cercle. Viens te battre, viens te battre. Il balote dans son berceau, bandé déjà comme un taureau. Enfant de putain lui dit sa mère, tu bandes déjà plus que ton père. Ah ah, Balibalo. Balibalo est un salaud. Balibalo dans son cercueil, bandé déjà comme un chevreuil. Allez là. Un dobu, t'es foutu. Ici c'est pas toi qui feras la loi. Faut faire le focus là. Bouton rouge. Ah vas-y, ça y est là. Je crois que j'ai trouvé une technique. Pastiquer les doigts. Faire comme as. Attends, ça marche ou pas? Ça marche beaucoup plus vite. Eh, compliquez pas la tâche non plus là. Ah mais faut que j'allume peut-être en fait. Ouais ok, faut que j'aille là-haut. Échelle. L'échelle là va m'emmener où? Bande de connard. Ah peut-être le tuyau. La peau de mes rouleaux, ouais, le tuyau de quoi? À gauche. Où la gauche? Ah! Ah! J'avais pas vu ici! J'avais pas vu! Shell! Pas de problème! Espèce! Garde où espèce! Shell! Ça fait peur! Oh la petite souris! Oh! Mignon! Mignon! T'as un rat? Bah, elle faisait cette taille la souris donc inquiétant! Ok! Oh, j'ai cru qu'il allait retomber! Oh, regardez! Le petit papillon de Scofield, le petit oiseau. Ah, il y a des cafards. Quel ? Yes ! T'avais dit 5h20. 5h24, ça va. Ah merde, pas fini. En vrai, il était en train de crever, frérot. Pas normal. Et toi, tu la fermes ? Quand tu pars à ton grand-père ? Magnifique, un chat. Un chat, vraiment, personne le voit. Alors, je peux pas me faire cramer en l'air, déconne pas. Ouais, dès que j'ouvre ma gueule, il m'entend, quoi. Bonjour, enchanté. Ah, fallait éteindre les lumières. Tu me vois là, non?
Mais attendez, il m'entend, c'est pas possible. Rassurez-moi, c'est impossible qu'à la seconde où je dis un mot précis, il tourne sa tête. T'as vu, la poutre ? Mais il va pas me lâcher les couilles, lui, avec sa lampe torche, là. Vas-y, là, dès qu'il se tourne, je... Oui ! Oh non ! Oh, c'est un truc de chien, là, ce qu'il a fait ! C'est un truc de chien ! Là, je suis le pattern. Je suis le pattern. T'es mal pattern. T'es mal, je le t'es mal. Là, le pattern, il est là. Le rejet, il est là. Ça veut dire c'est maintenant. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, j'ai une érection ! Oh oui ! Oh non ! Non ! Elle avait raison, fallait suivre le pattern. C'est toujours pas ce que veut dire pattern. Cambre-toi, Ravus. Cambre-toi, Ravus. C'est dingue comment je speedrun aujourd'hui. Allez, un petit coup de joystick, un petit dernier. Oh, il me l'a fait tout seul, magnifique. C'est un bon. C'est un brave. Comme on est Spider-Man. Spider-cochon. Spider-cochon. Il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est du cochon, bordel. Je peux... C'est où là que je dois aller? Il est 6h du mat. J'ai le feu dans la boîte. Jamais vu des ordis aussi vieux. Ils connaissent pas les imprimantes laser ici? Calme-toi gros. Ok, je l'ai contourné. Bang. Calme-toi. Alphonse Brown. La culture du port du Havre. Son nom c'est Alphonse Brown. Jamais vu des ordis aussi vieux. Merde. Les imprimantes laser ? Qu'est-ce qu'ils veulent Non, faut que j'attende en fait. Ils connaissent pas les imprimantes laser ? Au cône de la lune ? 4 fois de suite, c'est parce que je suis plus lucide. Je suis plus lucide, normal. Je suis fatigué, frère. Je suis un ouf, le livreur UPS. Ah, vu, t'es encore là, mon canard ? Ils connaissent pas les imprimantes laser ici ? T'es encore là ou pas, mon gros canard, ma grosse couille ? Ah, c'était quoi ? Non, c'était juste pour te dire que t'es toujours pas invité à Popcorn. T'es toujours pas invité. Ma grosse couille des îles, mon gros canard. Ça va, je suis normal. Oh, incroyable. Putain, ça va, je suis normal. C'est une dinguerie, j'avais tout fait, mais... C'était soit je finissais le niveau, soit je faisais ma blague à Ravus, je préférais rire. Ça va, je suis normal. Là, je peux regarder, en fait, je suis trop con. Je me précipite depuis tout à l'heure, j'avoue. Excitant là quand je suis discret comme ça. M'en sors bien là. Oh, le Fenwick. Eh, Ravus, ça te rappelle pas ton ancien travail ça? Eh, tes collègues ils t'attendent toujours. Hein. Tes collègues ils t'attendent là. Tu réponds plus aux messages. C'est normal. Réponds aux collègues. Mais je suis obligé de sauter. Oh non. Eh, vous savez que Ravus il stream avec ça en détente. Vous voyez la tour là? Il stream avec ça, son setup. Magnifique ma biche. Il est pas au courant qu'il peut faire monter un PC. Il stream encore avec ça. Il y a l'imprimante sur le bureau et tout, les gars. Eh, mais Ravus. Est-ce que la prochaine fois que tu iras au cinéma avec Moumoun, elle aura le droit de manger du popcorn? Papy, je vais avoir du popcorn! Non! Sois normal là! Sois normal s'il te plaît là! Ah, je vais pas trop parler technologie parce que le running gag popcorn peut être très très marrant. Vraiment, je ne vis que pour ce genre de moment. T'as Ravus, il aurait mis son meilleur jean en plus. Qu'est-ce qu'on a raté? Ah, c'est bon, j'ai gagné là. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Nous allons les trouver. Je crois que je me suis fait enculer. Oh, le sauvetage de fou. Ce qui branle. Maintenant, je crois. Hein. Maintenant, de gueudin. Oh non, pas ça. Oui. Oh, mais les fake, la poutre. Putain, s'il te plaît, dis-moi que ça a fait un checkpoint. Non, je vais me couper les couilles. Wesh. Oh, la matraque. CSGO, j'en ai déjà fait aussi. Mon ex, c'était une putain de geek. Je joue à tous les jeux. Putain, magnifique. En mode chat. En mode chaton. Ouais. Oui. Une cinématique. Oh, toujours pas, putain. Ça devient de la torture, là. Imaginez, Pefut, c'est votre daron. Les gars, je serais tellement un daron exemplaire le jour où j'aurai un gosse. Vous êtes pas au courant, je crois. En fait, ça dépend. Si c'est un mec, j'en aurais rien à foutre. Si c'est une fille, par contre, ça risque d'être exceptionnel. Là, je pense, si c'est un gosse, si c'est un mec, comment je vais tirer la gueule? Ça voudra dire que je devrais en faire un deuxième. Sans être sûr en plus que le deuxième sera une fille. Là, je devrais encore envoyer. Ah ouais, non. Là, je sais plus où je suis, là. Quoi? Vas-y, frère. Pourquoi tu veux autant une fille? Je sais pas, c'est mon instinct paternel, je veux une fille. Mes parents, ils ont essayé 3 fois. Après, ils ont abandonné. Un coup dur. Ils ont essayé 3 fois et après, c'est toi qui es sorti. Oh, la défaite. Oh, la défaite de fou. Je veux dire qu'ils s'attendaient pas à ça, en vrai. Pas facile. Non, mais je serais content quand même si c'est un garçon, je pense. C'est normal. Moi, je préférerais une fille. Ça se décide pas, bordel. Chacun ses préférences. Oh, c'est quoi cette...
veux dire, c'est quoi cette cinématique là? Trois garçons alors qu'ils voulaient des filles. Ah, relou. Je sais pas quoi faire en fait, je vous dis la vérité, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais absolument pas comment vesquit ce gros connard. Ah, peut-être en faisant une roulade en fait. Ah oui, en le focusant. Ah non. Allez, va en pause clope là, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Ah mais à droite je le vois en gros, je regardais à gauche moi. Mais là je peux, il a plus les lumelles, bah oui. Je suis trop à trou du cul, je regardais comme ça avec mes yeux. Je suis trop un débile. Là je peux pas. La cinématique servait à quelque chose en vrai. Et... Hop là, gambé. Ah, je suis normal. T'as été longue cette mission. Dis-moi qu'elle se finisse. Bah qui Doumbé, t'es pour qui? Moi j'adore les mecs qui trash talking. Vous me connaissez donc je suis pour Doumbé mais... J'y connais pas grand chose, hein, je peux pas. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Ah ouais, faut pas laisser de suspense. Camion. Poète. Pardon. Il est content le débile. Ah bah je suis normal. Comment je vais faire pour passer là-bas? Je vais jamais réussir. Ah là-bas peut-être. Au-dessus des vieux volcans. S'il te plaît. Merci. Oh. Si c'est pas là, je me fous en l'air. Pourquoi ils ont mis une peinture jaune, c'est pas là. Ah, je crois que c'est grave pas là. Oh. Et là, en fait, attendez. Là, faut que j'aille où après? Pétez un câble, pétez un casque. Tourne-toi. Chier, lui. Il m'a mis une feinte à la Robinho. Le jeu devient de plus en plus dur. Si je meurs là, comment je hurle? Pourquoi j'ouvre ma gueule? Ouais, ma gueule! Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Je suis caché derrière le Fenwick. Oui! Ça, c'est du move de génie, j'aime bien. Quelque chose te remet pas! Ouais, je pouvais. Presque. Non, arrête, pas maintenant! Après tout ce que j'ai fait. Ah oh, ça va! Oh, c'est des bons! Qui est fou? Nous aussi, on est fou! On va s'enjailler, oh! On va rigoler, oh! Heureusement, ils m'ont laissé ma chance, j'aurais câblé. J'ai fait une roulade de malade. Ah la malade, ce Jeff! J'attends de par derrière, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne idée. Hein. C'est peut-être pas du tout une bonne idée ce que je viens de faire. Ça n'a jamais été une bonne idée. Oh man, l'ambiance, y'a pas problème. Avec Magic System, ça c'est le son qu'on aime. Tu te tournes et tu te calmes. Alors attends, parce que je vois pas ce qu'il voit lui. Qu'est-ce qu'il voit d'ailleurs? Il voit pas grand chose. Voilà, je l'éteins. C'est déjà fait. Ah bah ça va vite, hein. Ça va vite. Oh là 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 là, on c'est a enfin fini, j'ai envie de me mettre tout nu. Bien. Je reviens de dire ça dans 2-3 heures. Et vraiment gentiment. Sont toujours entre quatre murs. Ah, poutre ! Je saurais qui a engagé Turk. Là, je suis en pleine forme à 7 heures, c'est inquiétant. Je pense vraiment que j'ai quasiment fini le jeu. Abruzzi voulait un couteau et Paxson. Ouais, ok, c'est mon épureur. Les détenus, dans la cour ! Réveillez ! Paxton, viens avec moi ! Abruzzi veut te causer. Je n'ai qu'une toute petite question à te poser. Est-ce que t'es un flic ? Quoi ? Fais bien attention. Si tu dis oui, je te tue. Je peux pas blairer les poulets. Oh putain. D'un autre côté, si tu dis non, t'es un menteur. Et la seule chose que je déteste encore plus, c'est les poulets menteurs. Ça va le fumer. Je sais pas du tout de quoi tu parles. J'ai vérifié les numéros de tes appels depuis le téléphone de la... Aïe. Tu sais pourquoi c'est moi, le chef de famille depuis si longtemps? Parce que je fais confiance à personne. Mais un jour, j'ai fait une exception. Un deal. Fibonacci! C'est bien. Il travaillait pour moi. Il s'est assis à ma table. Et on a partagé le pain. Je lui faisais confiance. Il m'a vendu. Je te laisse deviner le nom du flic. Tête de con. Ce putain de menteur de Jack Mannix. Aïe! De cause. Aïe! Je te jure, tu m'as menté, Paxton. T'es un gars de Mannix. Alors tes jours sont comptés. Oh bah là, on est baisé, c'est quoi? C'est la fin du jeu, on crève! Bobo, tranche-le comme le bon boucher que tu es. Oh, mon rêve, on prend Abruzzi en contrôle! Il doit en rester que un morceau. Ah non, je vais pas crever en fait, je vais réussir à m'en sortir. Why? Par-dessus la troisième corde! Oh, la mission est toujours pas finie, oh, ça y est! Je reviendrai la chercher quand ce sera un peu moins chaud. Ah, j'aurais bien aimé qu'il crève, moi, lui, comme ça on... Le sang t'es mort! Ugh.
l'essentiel du petit matin. Ah bah t'es debout ou pas? T'es debout là ou pas? Faut pas que je crève, faut pas que je crève, sinon faut refaire les deux. Bye monster! Oh une cinématique, yes! Yes, yes, yes! Des frites! Des frites! Des frites, des frites, des frites! Des frites! Des frites! Des frites, des frites, des frites! Agent Kellerman! Capitaine Bellick? Qui le demande? Je suis l'agent Richardson. Voici l'agent Bates, administration pénitentiaire. Eh bien, que puis-je faire pour vous? Plusieurs rapports font état d'anomalies ici à Fox River. Problèmes électriques, fuite d'eau, etc. Nous sommes venus examiner les bâtiments et déterminer si quelqu'un a saboté vos infrastructures. Il nous faut un accès illimité et immédiat. C'est totalement superflu. Je mène bien ma barque. Vous n'avez donc pas de soucis à vous faire, capitaine, n'est-ce pas? Je dirais Kellerman, mais vite fait. Agent Kellerman. Je dirais pas Kellerman, non. Beau, toi? Ah, il vient de récupérer la carte. Agent Paxton, je fais partie du cartel. Agent Richardson. Nos supérieurs deviennent très impatients. Vous auriez pu tuer Lincoln Burroughs depuis le temps que vous êtes là. Mais il est encore vivant. Quel peut être le problème? Ils vont le fumer. C'est pas ma mission. Vous croyez être là pour vous faire des amis? Ils vont le fumer. Ça a envoyé Turk vous aider. Mais la seule mort, la sienne. Faites votre boulot, Paxton. Tuez Lincoln Burroughs et vous sortirez. Oh, mais moi j'ai pas su... Vous resterez dans la petite boîte. Moi j'ai pas signé pour ça. Je pense qu'on va s'enfuir avec Schofield et tout. Je pense qu'on va s'enfuir avec Schofield. Ils auraient pu modéliser Saratan Crédit, merde. On peut pas voir à combien de pourcents on est du jeu. La donne a changé. Le cartel veut Burroughs mort, mais Mannix m'a dit de le garder en vie. Il m'a piégé dès le départ, avant d'envoyer Turk me tuer. La question, c'est pourquoi? J'en sais assez pour le faire tomber, mais dans cette affaire, c'est valable pour tout le monde. Le seul moyen d'en avoir le cœur net est de mener la mission à bien. Tuer Burroughs, puis sortir et s'attaquer à Mannix. Debout, debout, crevard. T'as la visite du FBI. Quoi? Wesh. T'es un gros joueur, Paxton? Quoi ça? Allez, suis, ma mignonne. Pec en l'air. Salut, Tom. Burroughs? Aldo? Mais qu'est-ce que vous foutez là? Voilà le père. Les gars, Michael et Link. Quel père? Elle en a après eux, tout ça pour me forcer à sortir de ma planque. Quel père? C'est les risques quand t'as quitté le cartel, Aldo. Je pensais risquer ma vie, pas la leur. Tu n'es pas le seul à pouvoir les sauver, Tom. Je suis censé tuer Link, pas le sauver. Je fais autre chose et je signe mon arrêt de mort. Ton arrêt de mort a déjà été signé. Quoi? Tu ne sortiras pas d'ici vivant. Le cartel va envoyer Mannix pour tuer Lincoln. Après, tu n'es plus utile à personne et tu sais ce que ça veut dire. C'est pour ça que je demande ton aide. Michael et Link vont s'enfuir. Aide-les, ils t'aideront ensuite. Si le cartel veut ma mort, ici ou dehors, ce sera pareil. Dehors, tu ne seras plus toi. Je supprimerai tout ce qui te lie au cartel. Tu n'auras jamais existé. Tu seras un homme libre. En fuite, mais libre. D'accord, je vais le faire. J'ai besoin des plans de la prison, et c'est maintenant que j'ai le plus de chance. Aide-moi à passer par le plafond, et fais illusion tant que je suis pas là. Ok, let's go! Merci les gars d'avoir suivi ce let's play endiablé. Un peu long, mais c'est parce que le jeu est dur, hein. C'est pas moi, non.